Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Drain, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas joué tueur, clairement, mis à part 2-3 petites games entre amis. Mais je ne jouais pas sérieusement. Là, on va jouer vraiment sérieusement. Donc, on va essayer de reprendre le niveau qu'on avait en tant que tueur. Clairement, j'ai perdu mon niveau de tueur. Même si je jouais pas sérieusement, j'ai réussi à en tuer. Quand on joue entre amis. Mais, voilà. Je vois moi-même que j'ai perdu beaucoup en termes de... En termes de gameplay tueur, j'ai beaucoup perdu. Alors, j'ai cru entendre quelqu'un. C'est pas grave, c'est pas grave. On va remonter. On va se fier au son. Ok, ça a mis un boon totem. Ce n'est pas très dérangeant en soi. Il y a quelqu'un qui fait un gène ici, mais on s'en fout pour l'instant. On va déjà passer ici tranquillement. On essaye de lui mettre des petits coups de pression en lui faisant croire qu'on va... On va beaucoup jouer sur se manifester, pas se manifester, ne pas se manifester. Juste pour leur mettre un petit coup de pression pour leur faire croire que l'on va faire quelque chose de ouf. Ok, il n'y a personne ici, c'est bon. C'est très risqué, je viens de prendre un très très gros risque. Honnêtement, je viens de prendre un très très gros risque. Mais en soi, ce n'est pas grave. Elle m'a pas vu. On a pu la choper. Est-ce qu'il y a un crochet hyper loin ou je vais te mettre à côté? Bon, allez, je te mets à côté. Je voulais pas te mettre ici. Hein. Mais bon. Le ruine qui va pouvoir, je pense, nous carry. Hein. Je pense que ruine pourra nous carry. Hein. Mm-hmm. Ok. Est-ce qu'on back sur la save? Ça sert à rien pour l'instant. Je regarde s'il y a bien quelqu'un. Il y a personne. Ok. On passe directement à cet endroit-là. Non mais. D'accord, ça veut faire les gènes sans se soigner. Ok, bah tu viens. T'aurais pu te soigner entre temps. Mais non, ça veut rush les gènes en étant. Ça veut faire un max de. Oh, coucou toi. Ils vont croire que j'ai chili alors que c'est même pas le cas. Donc voilà, ça veut. Nickel. Ça veut faire les gènes sans se soigner pour faire un max de points. Ok, j'ai rien contre que vous fassiez des points. Mais à un moment, il va falloir arrêter les bêtises. Clairement. Et jouer sérieux. Enfin, jouer sérieux. Se soigner, jouer tranquille. Oh, mon totem de feu est là en plus. Mon totem de feu est dans un casier. Il est explosé. Il est explosé. Non, mais je m'en fous de toi. Et ce qui est très cool avec Sadako, c'est qu'on peut pas te bloquer. C'est-à-dire que si on veut te bodyblock pendant que t'es en mode invisible... Bah c'est pas possible, mis à part avec une palette. Hein. Mais sinon, sans ça, on ne peut pas te bloquer. Parce que quand t'es en démanifestation, en gros quand t'es démanifesté, donc que les gens ne peuvent pas te voir à une certaine distance, et ben en gros tu passes à travers les survivants. Donc s'il y en a un qui bodyblock pour aider quelqu'un d'autre, imaginons il y en a un qui t'a t-bag et après ses coéquipiers me bodyblock pour l'aider, bah je me démanifeste, je passe à travers et je pourrais défoncer la personne. On n'hésite pas à se TP pour utiliser du pouvoir de Sadako si possible. Hein.
On retourne ici, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, voilà. Vas-y, hein, je te laisse le libérer, hein. Vas-y, hein. Je m'en fous, je veux juste toi, hein. Je ne focus pas le papy, hein. Le papy, il se démerde, hein. Oh, j'ai cru que t'allais sauter. Monsieur Dia va me faire une petite feinte. Ok. Ok. On se peut se manifester là, je pense, ouais. On attend un petit peu. On lui fout la pression. Voilà. Et en cas où. En cas où, si elle flippait sur le coup, elle aurait peut-être claqué un des dardes. Mais je crois que sinon, depuis tout à l'heure, elle aurait tenté de le claquer. Et ça n'a pas été le cas. Donc pour l'instant, ils n'ont pas fait de gêne, on est tranquille. Pour l'instant, on domine la game. Bah, même, on la domine plus que là. Ils sont 3 pour 5 gènes. La game est quasi gagnée, hein, je tiens à préciser. Quasi. On peut cette épée sur l'endroit où ça a été pété. Ouais, j'aurais pu faire une chope, j'aurais pu la choper. Mais bon, je me suis dit, honnêtement, ils sont que 3, il restait 5 gènes. Donc je leur ai laissé terminer, puis je me suis dit, je tape après. Il est où le Boon Totem? Je m'en fous, je vais pas la suivre, je veux péter le Boon Totem. Ah d'accord. Il était très mal placé. Ok. Ouais, là j'étais complètement pas du tout collé à la palette, hein. Ok, là elle va vouloir me faire tourner autour de cette palette que je vais péter instant, hein. J'aime bien les survivants qui restent bien des fois collés jusqu'à temps de voir ce que tu fais. Moi je préfère tourner autour ou faire chier le tueur, mais c'est une idée comme une autre. Voilà. Je lui fais croire que je vais la taper. Maintenant je la tape. On va prendre notre temps. Pour l'instant on est très bon. Pour l'instant, on est très très bon. En plus, voilà, elle donne les palettes. Ça, c'est typiquement le survivant qui sait pas jouer. Ou qui débute, plutôt, on dirait. Je dirais plutôt un survivant débutant. Voilà. Non, 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 ma petite. Non, non, non. Je te dirai toujours non. Non, non, non. Elle lâche trop facilement les palettes. Ça, on croirait que c'est mon pote avec qui je joue à chaque fois, là, Roxas. Qui lâche la plupart du temps les palettes sans regarder. Ça me fait triper. Faut toujours regarder derrière soi pour avoir une certaine, un certain point de vue. C'est plus intéressant. Ce qui permet de lâcher des palettes au moment le plus intéressant. Oula, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, là. On se manifeste. Et on attaque. Ils ont toujours pas trouvé Ruine qui était franchement qui est free. Le Ruine, c'est cadeau. Ah bah là aussi c'est cadeau. Allez, viens avec moi Pépé. Pépé, est-ce que je t'ai déjà accroché Pépé? Pépé. Est-ce que Pépé t'es quoi? T'es P1, t'es PP2, t'es PP3, t'es quoi? Je sais pas. Ok, Pépé, je l'avais déjà accroché. Donc il n'avait pas de... Il n'avait pas de... coup décisif. Ok. Ok. On va regarder sur cette télé-là, qu'est-ce qu'il y a. Ok. Ça va revenir ici. Il y a quelqu'un qui serait ici, non? Eh mais eh, ils le veulent ce gène bordel, hein. Je comprends que ce gène est très important en plus. Ce gène est très très important mine de rien. Elle me fait faire le tour. Ok. Il n'y a pas de soucis, viens avec moi.
Donc je vais me rentraîner en tant que tueur. Mais je pense, tout en jouant Sadako, que j'aime bien sa façon de, de se TP, d'avoir des points de vue partout, sur toute la map. Ça peut être très OP. Ok, ici ça fait pas de gêne. Non, franchement, j'aime bien le gameplay de Sadako. Malgré que Sadako n'est pas très avantagé, hein. C'est pas un tueur qui est ultra puissant, mais qui a un très bon contrôle map. Si en plus, bon, si les survivants savent comment contrer Sadako et que les cassettes, ça peut être très embêtant. Mais si sinon, sans ça, elle a un très bon contrôle map. Ok, donc il y a un survivant qui est là. C'est elle que je veux. C'est elle que je veux. Elle est partie où? Alors là, c'est ce que je comprendrais pas. C'est où elle est partie? D'accord. J'ai vu les traces rouges, hein. Mais bon, on va se démanifester, hein. Peut-être qu'on retombera dessus parce qu'elle n'entendra pas notre aura. On retombe bien, de toute façon, on peut retomber soit sur elle, soit sur David King. Et si elle remet le Boon Totem, on sait où elle est. Directement. On tombera dessus, hein, bon. Et j'entends quelqu'un courir, hein. Donc elle doit être ici dans les escaliers. Exactement. Ah bah descends, hein. J'aurais pu descendre. Oh ouais, non mais elle les donne, les palettes, hein. Elle a un gros défaut. Elle joue sneaky. Donc c'est un survivant qui n'aime pas prendre de risques, hein. Et en plus de ça, elle nous offre les palettes. Il va falloir améliorer ça, madame. C'est pas très normal ce qui se passe. C'est pas très bien, madame. Vous êtes pas très... Il va falloir améliorer ça. Moi, je dis... améliorer un peu les loupes, hein. Améliorez vos loupes, hein, madame. On va casser ça. Comme ça, ça fait un loop de moins de ouf pour les survivants. Parce que ce loop peut être très bien. Donc le péter, c'est important. Oui, peut-être David King, à moins qu'il va la laisser mourir. Donc il va falloir qu'on cherche en priorité la trappe, donc on va devoir descendre. On devra descendre, hein. Ah bah c'est bon. Ok. Non mais toi, je te veux pas, hein. Toi dégage. Quoique, si je te fais tomber en priorité, ouais, voilà. Au pire, je te fais tomber, mais je vais pas te chercher. Je veux David King. T'as pas eu de chance, t'es tombé sur moi, mais... David... Ah non, c'est pas David King! Putain, depuis tout à l'heure, je dis de la merde! C'était Papy! C'est Papy Billy! Yala, Papy Billy! Ah non, ta coéquipière qui est avec toi a usé toutes les palettes. Mais vraiment tout, hein. T'as pas de la chance, mon papy. Elle a niqué toutes les palettes. Elle me les a offertes comme un magnifique cadeau de Noël. Un magnifique petit cadeau de Noël.
Et elle, elle a dû se planquer dans un coin de table. Dans un petit coin, ouais, voilà. Allez, viens avec moi, toi. Si t'avais coup décisif, dans les deux cas, normalement, il devrait être annulé. Quoique, coup décisif, tu l'aurais fait bien avant, sinon. Je crois pas que t'es morte, hein. Si t'es morte, bon bah sinon, moi, tu m'aurais déjà fait avant coup décisif. C'est pas grave. Bon bah voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.